Grossesse précoce, avortement clandestin, maladie sexuellement transmissible, consommation de stupéfiants, sexualité précoce, fugue, manque de respect des parents, tuteurs et autres enseignants. Voilà cités pêle-mêle quelques mots qui minent la jeunesse gabonaise et ce dans de nombreux foyers et qui causent beaucoup de désagréments dans ceux-ci, partant dans la société, à travers les braquages, viols, meurtres, abandon scolaire pour ne citer que cela. Au nombre de tous ces mots figure la sexualité précoce qui occupe une place importante. En effet, le sexe qui autrefois se pratiquait à partir de l'âge de 20 ans se pratique malheureusement désormais à l'âge de 11 ans. Un phénomène qui tend à s'étendre dans tous les foyers, faute de nouvelles technologies, de changements éducatifs qui s'apparentent désormais plus à l'occidental et surtout du fait de la démission parentale de certains. Parce qu'il y a des foyers qui ne se bat pas à 100% pour leur progéniture. Certains foyers. Moi, j'en ai vu. C'est parce que tu es chez un homme. Si l'homme ne veut pas prendre les responsabilités à la maison, du coup, tu laisses, tu abandonnes. Bats-toi pour tes enfants. Mais lorsque tu ne te bats pas, tu laisses les enfants à la maison puisque le mari ne veut pas le faire. Du coup, quand l'enfant fait à la maison, il fait comment? Surtout nos jeunes filles, elle a faim. Il y a un Malien à côté, papa, je vais le pain au chocolat, papa. Le Malien va faire comment finalement? Il va chercher à coucher avec l'enfant. Moi je vois que c'est le suivisme, parce que tu vois ici, tu vois l'autre a un grand téléphone, tu vois si tu veux avoir. Mais les parents n'ont pas le moyen pour te donner, pour t'offrir le téléphone. Mais elles sont obligées d'aller passer par la vie facile pour avoir ce qu'elles veulent. Parfois, nous voyons que si la jeune fille se lance dans les choses comme la sexualité, il y a les conséquences comme la grossesse précoce et les maladies sexuellement transmissibles. On peut voir le sida aujourd'hui, c'est le sida qui règne maintenant. Donc, et pour la grossesse, si elle n'est pas mature pour aller accoucher, elle va passer par césarienne. Et dans ce cas, césarienne, nous connaissons que par césarienne, il y a les choses qui se passent. Parfois, tu pars là-bas, tu ne reviens plus. Et c'est ta vie que tu mets. C'est la vie d'un enfant qui vient, qui ne connaît rien, que tu mets. Si les filles entre 14 ans et 16 ans, ils sont maintenant plus basés. Bon, la sexualité, c'est plus dans les téléphones. Hein, parce que si maintenant dans les téléphones, ils peuvent télécharger les vidéos pornographiques, c'est là où tout ça fait tout cela. Ce parent de bien surveiller les enfants, éduquer les enfants. Ah, les conséquences, c'est quoi? En plus, les grossesses, non, les grossesses et les maladies. Les effets de ce changement culturel, qui ne dit pas son nom, connaît déjà des résultats déplorables, vivement que le socle familial, qui est la base d'une nation, retrouve son équilibre afin de stopper un peu soit-il les maux qui minent la jeunesse gabonaise, partant africaine.